Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Final Fantasy XIV. Après avoir affronté Titan, on va continuer avec la quête principale et on va discuter avec Yashtola. On arrive bientôt au niveau 40, donc on fera dans le prochain épisode la quête de classe du niveau 40. Donc là, une lumière vacille. Tac. Tu dois maintenant aller mettre au courant la colonelle Ricky que Titan ne représente plus aucune menace. Une fois de plus, je te félicite pour ton travail bien fait. Nous nous reverrons bientôt, Primrose. Allez, on parle de ça. Donc, fallait aller ça. Faut monter à l'étage. Je peux monter par là à l'étage. On relance. Ah, je suis en c'est bizarre, la musique a changé. Bah ouais, c'est pour l'anniversaire de FF. Cette musique. Tellement belle. Je suis pas allé au bon endroit. Merci d'être venu, Primrose. On m'a fait savoir que tu as réussi à t'infiltrer dans Ogomoro et que tu as vaincu Titan après un combat remarquable. Ifrit est maintenant Titan, tu es une véritable sauveuse. Les habitants de l'Imsalminsa ne te seront jamais redevables. Je vais mettre au courant l'amiral de tes exploits. Transmets mes amitiés aux héritiers, veux-tu? Eh ben. La Primrose, c'est moi, Amine Finia. Yashtola m'a mise au courant de la situation. Tu as remporté une grande victoire pour le peuple d'Erzer. On se souviendra longtemps de cet exploit. Mais le plus important pour moi, c'est que Yashtola et toi êtes vivantes et en bonne santé. Les mots me manquent pour exprimer mon soulagement. J'imagine que tu dois être fatigué, mais est-ce que tu pourrais passer au refuge des sables? Il y a deux, trois petites choses dont il faut qu'on discute. Merci, à bientôt. Eh bien, on va aller au refuge. Ah, on est à 6 niveaux, enfin 5 niveaux d'avance, bientôt 6. Je pensais qu'on aurait plus d'avance que ça sur les quêtes principales, mais ça va encore. Wow. Wow.
Tu es encore en vie, je suis ravi. J'imagine que tu dois être fatigué, mais est-ce que tu peux passer au refuge des sables? Il y a deux, trois petites choses dont il faut qu'on discute. Merci, à bientôt. Dieu merci, elle est saine et sauve. Voyez-vous cela, Louisois? Votre lumière rayonne en elle. Et bientôt, elle éclairera de nouveau tout Eorzea. L'aventurière qui a abattu les primordiaux Ifrit et Titans se cache dans ce bâtiment. Dites-moi où elle se trouve, et peut-être que j'épargnerai vos misérables vies. Malédiction. J'ai besoin que tu délivres un message pour moi. Écoute bien ce que je vais te dire, et surtout, reste bien caché après. J'accepte de me rendre, à la condition que vous épargniez les innocents. Oh, mais qui vois-je? Ne serait-ce pas l'héritière en chef? Tu as du cran, je te l'accorde, mais tu n'es pas vraiment en mesure d'imposer tes conditions. La personne que vous cherchez n'est pas là. Vous perdez votre temps. Tu as l'air de dire la vérité. Comment avez-vous trouvé cet endroit? Ah! Fais tes prières. Ce microbe a plombé l'ambiance. Bas les pattes! C'est pas vrai. Arrêtez! Ça suffit comme ça. Cessez le feu. Nous n'avons pas trouvé celle que nous cherchions, mais nous avons capturé la meneuse des héritiers. C'est déjà ça. On dit qu'elle possède le pouvoir de l'écho. J'ai hâte de l'entendre crier. J'ai dit assez! On s'en va. Prenez les prisonniers avec vous. Chose à dire. Message mif doit dire. L'un oriental, église, la dama cachée. Pardon, dites mif, pardon, n'est pas pu protéger. Voulez les aider, pardon. Aider, sauver. J'avais totalement oublié ce passage.
Ah, je l'avais zappé de ma mémoire. C'est cool de le refaire parce que là où j'en suis dans Endwalker, j'ai fini l'épopée de la 6.2. C'est cool de le refaire là, ça me permet de revoir des trucs que j'avais totalement zappé. Mais c'est vrai que ce passage, je l'avais mal zappé. Bonjour, que puis-je pour vous? Cette église est modeste, mais nous sommes toujours prêts à tendre la main à ceux qui en ont besoin. Que dites-vous, des églantines? Vous parlez sans crainte. Je suis moi aussi un ami des héritiers de la 7e aube. Putain, j'ai dit au hasard. Hein. Non, c'est terrible. Alors, vous ne savez pas où sont Milfinia et les autres héritiers? Oh Dieu, accorde-leur le salut. Vous avez dû vivre des moments éprouvants, je vous propose de vous reposer un peu. Je connais Mifina depuis très longtemps, quand elle était enfant, elle venait souvent jouer ici. Lorsqu'elle a fondé les héritiers de la 7e aube, j'ai bien sûr accepté de l'aider, même si je ne suis pas le membre le plus important. Vous pourrez donc rester ici aussi longtemps que vous le souhaitez. Ah d'ailleurs, je voudrais vous présenter quelqu'un. Marquez, peux-tu venir? Oui mon père. Cet homme se nomme Marquez, il a perdu sa mémoire après le 7e fléau et est dans notre église en prenant soin du cimetière. Il n'est pas très de classe, mais c'est un bon homme. Vous pourrez vous adresser à lui si vous rencontrez le moindre problème au cours de votre séjour ici. Marquez, je te demande de bien vouloir t'occuper de notre invité. D'accord. Tu vois cet objet, c'est une montre à gousset qui a été trouvée sur un corps en provenance du camp des eaux desséchées. Malheureusement, elle ne fonctionne plus. On dirait qu'elle s'est arrêtée au moment où son propriétaire a rendu son dernier souffle. Je ne peux plus rien pour ce pauvre bougre, mais peut-être réparer sa montre serait une manière d'honorer sa mémoire. Pour ça, j'ai besoin d'outils spécifiques, un burin de précision et une petite pince. Ce sont des instruments qui sont utilisés en orfèvrerie. Ça tombe bien, il me semble qu'un orfèvre ambulant vient justement de poser ses valises au camp des eaux desséchées. J'aimerais que tu ailles le voir et que tu essaies de racheter ces outils. Prends cette petite bourse, ça devrait suffire, enfin je crois. Un burin de précision et une petite pince, évidemment que j'ai ça en réserve. Je vais te filer mes outils, mais qu'est-ce que j'y gagne? Voilà, là on se comprend. Marché conclu, l'ami. Mes outils sont à toi et au plaisir. Ah, je veux voler dans cette zone.
Alors, tu as pu te procurer les outils que je t'ai demandé? Ouais, tiens. Parfait, c'est exactement ce qu'il me faut. Maintenant, voyons voir ce que cette petite a dans le ventre. Cette petite dent, ce que j'allais dire. N'importe quoi. Voilà, c'est réparé. Même si le temps s'est arrêté pour le défunt possesseur de cette montre, le monde, lui, continue de tourner. Quant à moi, cette étrange sensation continue de me tarauder. Comment se fait-il que je sois capable de réparer une montre aussi complexe? Cette structure si sophistiquée, d'innombrables tiges de pignons, ce dispositif de tourbillon si minutieusement équilibré. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je connais ces mécanismes sur le bout des doigts et mes amis. Et mes mains, c'est comme si elles étaient habituées à ce genre d'ouvrage de précision. Pardonne-moi, je crois que j'ai besoin de me reposer un peu. Tu veux bien aller confier cette montre à Elened? Elle doit justement être en train de tenir une cérémonie commémorative pour le défunt. Bonjour, avocat, y a-t-il quelque chose que je peux faire pour vous? C'est une montre? Elle est si petite, je n'ai jamais vu de semblable. Pensez-vous qu'elle a été fabriquée par un horloger garde-madé? On entend souvent dire que la technologie impériale est bien plus avancée que celle que nous connaissons en Eorzea. Et si, par les 12, je suis sûr que son propriétaire est en fait un espion de la sorte de l'Empire. Il faut en informer les immortels, ne pensez-vous pas? Quant à Marquez, c'est vraiment incroyable qu'il ait pu réparer un mécanisme aussi complexe. Et si lui aussi nous cachait quelque chose? Ah, calme-toi! Des habitants de la baie des Vrep ont demandé à notre église d'aller s'occuper des cadavres que personne ne veut réclamer. Comme il est de notre devoir de rendre hommage aux défunts et de les accompagner dans le royaume de Tel, nous avons accepté, mais il y a beaucoup de corps et le transport pourrait poser problème. Primre, je sais que ce n'est pas un travail des plus joyeux, mais acceptez-vous de venir en aide à l'église de Saint-Amada l'Andama? Vous pourrez trouver la personne qui nous a contacté dans le refuge des sables. Quel gros poulet. C'est un envoyé de l'église de Saint-Adama-Lamdama, moi qui croyais avoir affaire à Marquez le Fossoyeur. Quoi qu'il en soit, tout est comme je l'ai expliqué dans mon courrier, il y a de nombreux corps que nous n'avons pas réussi à identifier. Je veux que tu les emmènes le plus possible car ils ne vont pas tarder à pourrir. Ce qui leur est arrivé, je suppose que tu as entendu parler des derniers incidents en date au refuge des sables. Eh bien, ce sont les cadavres des personnes qui sont tombées au combat. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé ce jour-là, mais ce dont je suis sûr, c'est que ces corps ne peuvent pas rester comme ça à la vue de tous. Je compte sur l'église pour leur offrir une tombe décente. Tiens, maintenant que j'y prends, j'ai l'impression de t'avoir déjà vu par ici. Non, je dois confondre avec quelqu'un d'autre. Bon, l'étalage des chocobots qui servira de transport à tous ces malheureux t'attend à l'entrée du village. Si j'ai bien compté, il y a 8 cadavres en tout. J'ai bien peur que tu aies à faire plusieurs voyages pour tous les charger dans la charrette. Bon, tu as bien compris. Allez au boulot maintenant.
c'est pas le moment le plus joyeux quand même. Ah, c'est toi qui es venu nous débarrasser des cadavres, tu peux commencer à les amener ici, je t'aiderai à charger dans, dans la charrette. Voilà les 4 premiers, il reste encore 4 autres, donc ce n'est pas le moment de se reposer, allez courage. Merde. Quel boulot ingrat, il en reste encore 4, donc ce n'est pas le moment de se reposer, allez, courage. 5, 6, 7 et 8. Le contillet, tu peux souffler maintenant. Je vais me mettre en route sans plus tarder pour transporter les corps à l'église Saint-Adama l'Andama. Quant à toi, tu peux aller prévenir Sœur Elunette de mon arrivée. Allez. Primrose, je suis contente que tout soit bien passé, bordel de merde. L'attelage de chocobos transporte les corps à l'église. J'ai du mal. L'attelage des chocobos transportant les corps est arrivé à l'église un peu plus tôt et nous venons tout juste de finir de les décharger. J'ai du mal aujourd'hui. Je vous suis vraiment reconnaissante de nous avoir aidé en vous acquittant d'une tâche aussi ingrate. Ces corps sont couverts de blessures atroces. Je ne sais pas ce qui s'est passé au refuge des sables, mais une telle violence ne devrait pas faire partie de notre monde. Je vais prier pour les âmes de ces malheureux. Niveau 40, formidable! Parmi les cadavres que nous avons menés, nous avons trouvé le corps d'un sylphe. Plutôt que de l'enterrer avec les autres, je me suis dit qu'il serait plus juste de le renvoyer parmi les siens. Vous savez, les Sylphs sont peut-être un peuple à part entière, avec une culture et des coutumes bien différentes des nôtres, mais je suis sûr que celui-ci aurait aimé retrouver sa terre natale du refuge dans la forêt de sombres linceuls. Pourriez-vous l'y transporter? Ah, ça va pas être l'épisode de l'action là. Oh Primrose, quel plaisir de vous voir ici. Alors, quelle nouvelle apportez-vous, mon ami?
La petite Noraxia? Non, pourquoi? Tu en fais du bruit, dis donc. Que nous vaut toute ton agitation? Chef, c'est terrible. Non, c'est horrible. Oh, voilà notre ami. Vous êtes toujours la bienvenue ici. Comment? Mais c'est abominable. Dites-nous ce qui s'est passé au refuge des sables. Non seulement Noraxia, mais aussi nombre de vos amis. Tant de vies innocentes. C'est une véritable tragédie. Pauvre Noraxia, il ne mérite pas ça. C'est moi qui ai conseillé aux petits d'aller rendre service au refuge des sables. Après ce qui vient d'arriver, je me sens entièrement responsable. Primrose, vous étiez à ses côtés, si je comprends bien. Noraxia s'était montré courageux jusqu'à la fin. Dans ce cas, nous pouvons être fiers. Il est mort pour une cause qui lui était chère. Primrose, nous vous remercions d'avoir ramené Noraxia parmi les siens. Nous lui offrirons une cérémonie qui l'honorera bien. Pourriez-vous aussi transmettre mes remerciements à Sœur Elened? Notre ami n'aurait jamais pu reposer parmi les siens sans son aide. Il est mort de la main de ses impériaux, n'est-ce pas? Je leur pardonnerai jamais ce qu'ils ont fait à Noraxia. Primrose, vous allez encore devoir faire face à l'Empire. Le peuple de Sivt à vos côtés. Pour le meilleur et pour le pire. Je vous remercie pour le service que vous avez rendu à l'église Saint-Adama-Landama. Tu peux pas faire juste l'église, ça ira plus vite. Et au peuple, s'il veut que le pauvre Noraxia repose en paix, sachez que pendant votre absence, nous avons pu enterrer les autres corps et aussi leur offrir une sépulture décente. Vous avez déjà tellement fait pour les héritiers, Primrose, je pense que vous devriez prendre un peu de repos maintenant. Ça me fait du bien d'avoir une voiture. Primrose, j'aimerais te parler de quelque chose. J'ai comme l'impression qu'on m'observe ces derniers temps. Je ne peux pas parler du regard attendri d'une femme ou quelque chose du genre. Donc j'ai le sentiment d'être surveillé. Encore tout à l'heure, en faisant mon inspection journalière du cimetière, j'ai senti un regard dans mon dos. J'aimerais te demander d'aller enquêter si tu veux bien. Il se pourrait qu'il y ait un individu louche qui rôde. Oh, on va avoir un petit peu de combat. J'aurais dû faire la balade avant. Voilà. Quoi? On t'a attaqué dans un endroit pareil? Tout ça semble confirmer que j'étais bien et bien surveillé. Comment peut-on me vouloir à moi? Je suis qui suis amnésique. Alors, ces gens connaissaient ma vie d'avant. Quoi qu'il en soit, si c'est des individus aussi dangereux rôdent autour de l'église, il faut mettre au courant le père. Tu peux le prévenir? J'ai entendu votre conversation. C'est un incident préoccupant en effet. Est-ce que vous avez une idée de l'identité de votre agresseur? Une piste? On dirait bien que ça appartient à un soldat incarné mal des... L'Empire surveillerait Marquez, mais pourquoi? Quoi que l'on soit, nous devons absolument prévenir
la sécurité des fidèles qui viennent prier ici. Je vais avertir les immortels de l'incident. Voilà ce qui s'appelle faire d'une pierre deux coups. On dirait que c'est mon jour de chance, puisque je vous ai trouvés tous les deux. Écoutez-moi, ce n'est pas le moment de fuir l'Empire et de se cacher. Nous devons remettre à flot notre groupe, les héritiers de la 7e aube. Et pour cela, il me faut l'aide d'une personne bien précise. Oui, j'ai besoin de l'ingénieur en chef des forges de Garlonde, le célèbre inventeur d'exception. Je veux parler de vous, Sid. J'ignore qui vous êtes, mais cet homme se nomme Marquez. Son esprit a été profondément meurtri par la catastrophe et il n'est pas encore rétabli. Je vous demanderai donc de ne pas l'importuner. Sid, Eorzea a besoin de vous. Vous ne pouvez pas rester ici et tomber dans l'oubli. Vous avez un rôle à jouer, et vous êtes notre seul espoir. Marquez, non. Je dois t'appeler Sid à présent. Prends ceci et pars. Ce sont tes affaires. Quand nous avons commencé à habiter ensemble, j'ai vite compris que tu étais un homme au destin exceptionnel. Je suis heureux d'avoir pu vivre quelque temps avec toi, et j'en garderai un bon souvenir. J'ai eu l'impression que mon fils m'était revenu. Mais à présent, il est temps que je te laisse retourner à ta place dans le monde. Tu as un rôle important à jouer, semble-t-il. Mais qui es-tu? Je suis Alfino le Veilleur. Membre des héritiers de la 7e aube. Nous nous battons contre les primordiaux et l'Empire, pour poursuivre le travail de feu, mon grand-père. Tu as dû entendre parler de l'attaque dont a été victime notre groupe. La rumeur s'est répandue partout en Eorzea. Après le 7e fléau, les nations d'Eorzea ont concentré tous leurs efforts sur la reconstruction. Notre groupe a fini par devenir le dernier bastion de la lutte contre les primordiaux. Mais l'attaque que nous avons essuyée nous a porté un coup rude. Les Ixali ont d'ores et déjà réussi à invoquer leur divinité, Garuda. Et celle-ci sème actuellement la terreur sur le Coertas. Parmi les primordiaux, Garuda est particulièrement connue pour son tempérament cruel et ravageur. D'après nos informations, elle serait encore bien plus redoutable qu'Ifrit ou Titan. Si nous arrivions à en venir à bout, l'impact sur les autres tribus barbares serait notable. Cela leur prouverait que leurs primordiaux ne sont nullement invulnérables. Le problème, c'est que l'hôtel qui lui sert de repère est protégé par un mur infranchissable de bourrasques violentes. C'est là que vous entrez en scène, Sid. Nous devons retrouver l'entreprise et la remettre en état. L'entreprise? Est-ce que ce serait... Oui, Sid. C'est de votre aéronef que je parle. La dernière fois qu'on l'a aperçu, c'est lorsqu'il a quitté Gridania, juste avant le fléau. Mon aéronef? Oh. Attends.
la guerre contre les primordiaux touche à sa fin. À nous de leur montrer que les Éorzéens n'ont pas dit leur dernier mot et sont prêts à se battre. L'entreprise. Ils ont besoin de moi. Je dois y aller. Voilà, voilà, voilà. Alors, on va s'arrêter là pour cet épisode de Final Fantasy XIV. On a appris plein de choses, dont on a appris le personnage récurrent de tous les Final Fantasy. Il est là, Cid. Qui dans tous les faits, si je ne me trompe pas, je crois même qu'il est dans le 1. Dans le 2, il y est. Je crois même qu'il est dans le 1. Mais bon, en tout cas, voilà, il est là. J'espère quand même que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire, un j'aime, de vous abonner à la chaîne si ceci n'est pas déjà fait. Si vous voulez me suivre, il y a tout ce qu'il faut dans la description. Sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine tout le monde, salut !